Moi, il y a quand même un truc dont personne ne parle qui me choque dans cette histoire de Crépol. Il y a un truc qui me choque, c'est que on a entendu donc les parents de Thomas, on a entendu les parents des enfants, etc. Mais on n'a pas entendu les parents de la bande de neuf là. On a entendu zéro parent. Il n'y a pas un seul, une seule maman, un seul papa qui est monté au créneau pour dire voilà, mon fils a fait une connerie, mon fils a je sais pas quoi, rien du tout. C'est quand même bizarre ça. On a entendu les parents des 400 personnes qui étaient là, on a entendu l'école de rugby, on a entendu etc. Mais on a entendu après avoir la venue des idiots là qui auraient pu se faire démonter en plus la gueule, il y a 80 là qui sont allés faire les trucs. On a entendu certains habitants de Romans-sur-Isère qui ont vu passer des mecs, etc. Mais on n'a jamais entendu un seul papa ou une seule maman des gens donc qui sont les attaquants de cette soirée là. Pourquoi on n'entend pas les parents? Pourquoi on n'entend pas cette dame, la maman qui a laissé les trucs mamelles? On ne l'a pas entendu. Elle aurait pu dire voilà, j'ai pas compris, mon fils est venu, il m'a dit j'ai besoin de la voiture maman, il se passe quelque chose. On n'a pas entendu cette dame. On n'entend pas les parents. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.